Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne MISEP. On se retrouve aujourd'hui pour le lundi 6 décembre pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Donc, ce matin, j'ai eu des très très jolies surprises. On va commencer par le calendrier de l'Avent de Beautiful Box. On va mettre les lunettes. Voilà. Je me suis maquillée, mais c'est tout vraiment très, très discret. Petit rouge à lèvres nude. J'ai fait de la simplicité ce matin. Donc, calendrier de la Beautiful Box. C'était dans cette boîte-là. Et c'est le labo. Des soins cheveux. C'est la marque La Maison des Sultans. La valeur de la surprise, 15 euros. La note globale est de 100 sur 100. Au niveau des ingrédients, ils sont tous tip top. C'est au lait de chèvre. Et je vais vous donner le focus. Ingrédients. Donc, réputé pour être une bénédiction pour traiter les peaux acnéiques. Exercice de parole ce matin. Le lait de chèvre est aussi connu pour apporter douceur et hydratation aux cheveux en pénétrant dans la fibre capillaire. Donc, c'est un savon solide, 40 grammes, qui est comme ça. Si vous étiez là à côté de moi, il y a des sous-blisters là, vous voyez. La Maison des Sultans, c'est une maison que je connais déjà, qui fait de très très beaux produits. Donc, c'est un shampoing solide au lait de chèvre. C'est fait en France, à Paris. Voilà. Écoutez, il a une odeur exquise. Vraiment exquise. Donc, voilà. Donc, très contente. Mais dans cette boîte, ce matin, j'avais une autre surprise. Donc, j'ai eu deux surprises ce matin. J'ai eu le shampoing sec, le shampoing solide de la Maison des Sultans. Et j'ai eu une autre surprise qui est là. Voilà. C'est un gel nettoyant visage purifiant. C'est un foulage, c'est fait à Paris. Infusion blanche. Écoutez, j'ai pas le prix, puisque c'est une surprise. Donc, on est très, très, très contente. Très contente et merci pour cette surprise. Alors, c'est un produit purifiant qui élimine en douceur les impuretés. Pour équilibrer la production de sébum. Bon, c'est un petit gel qui va pas me convenir, mais ma fille peut-être pourra s'en servir. Voilà, deux surprises ce matin. Ma fille, pour la Glossy Box, le 6, c'était dans une grosse boîte comme ça. On avait l'impression que c'était un gros produit. Non, pas du tout. Je prends le livret explicatif qui est ici. Alors. C'est la marque Polar. C'est une crème hydratante aux sources des glaciers. Alors, pour Noël, ça,
c'est nickel. C'est une crème hydratante de la marque Polar. C'est pas un food size, c'est un format voyage. Donc, ils disent que les 20 ml, ce qui est là, est à 16 euros. C'est une crème à 95% d'origine naturelle qui provient des icebergs qui tombent des glaciers dans la mer. Onctueuse au parfum frais et au fini non gras. Elle réhydrate intensément les peaux sèches pour un épiderme repulpé et éclatant. Appliquée sur une peau propre tous les jours, dans la marque Polar Source au Glacier. Ça, c'est pour ma fille, puisque c'est son calendrier. Alors, on se partage les produits, mais elle souhaite tester cette crème. Elle m'en dira plus. Voilà. Après, nous allons continuer avec le calendrier de la Dégustabox. Et ce matin, nous avons une petite surprise très, très agréable. Je suis en train de préparer mon petit catalogue, mes petites explications. Donc, c'est des grandes galettes aux pépites de chocolat et caramel beurre salé. La surprise, la valeur de la surprise est de 2,57 €. Ce sont de savoureuses et croustillantes galettes bretonnes aux pépites de chocolat et au caramel beurre salé. Ça, c'est quelque chose qui va nous plaire. On va profiter d'un super duo gourmand et avec un bon goût de chocolat. Et une bonne pointe de beurre salé. C'est la marque Ker des Lacs. C'est fait, produit par en Bretagne. Et c'est un food size. Et voilà la gourmandise du jour. Alors, il y a quoi dedans? Et je vois qu'il y a une recette, le crumble grande galette, pourquoi pas. C'est en 68 la marque qui a fait ses premiers produits. Je veux savoir les ingrédients. Il y a de la farine de blé, du sucre, du beurre, pépites de chocolat, sucre. Ouais. Arôme naturel de caramel, lait écrémé. Il n'y a pas de sirop de glucose. Ah si, à 5%. Bon, vous savez, ça c'est pour mes enfants. J'ai reçu mes analyses au niveau de mes prélèvements. Du coup, je n'ai plus droit au sucre. Je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. C'est pas le sujet, mais je n'ai plus droit au sucre. J'ai chopé un candidat albican. Voilà. Donc, le sucre, nique-t-on. Voilà. Donc, contente de ce jour, de ce lundi 6 décembre. De très belles surprises. Ce petit shampoing Souligne sent merveilleusement bon. On va peut-être le tester mercredi. Cette crème, écoutez, ma fille, elle est ravie parce qu'elle n'avait plus de soin. Ce petit gel, c'est gentil pour la surprise, mais ce n'est pas un petit gel qui va me servir parce que je n'ai pas une peau grasse. Et ça... Mais j'en mangerai un tout petit peu. Voilà.
Le pâté qu'il y avait de Gustavox, il a été fini. Très, très bon. Moi, j'ai dit qu'on dirait... vous savez, les pâtés de nos grands-mères, quand elles faisaient les pâtés. Moi, je trouvais qu'il avait ce goût-là. Le gloss, je l'ai testé. Mais vous savez que les nudes, moi, ça ne me va pas du tout. Ça me donne un teint cadavérique. Donc, sinon, il est hydratant, très très bien. La petite huile à l'orange que j'ai eue, tip top, elle se pèle très bien. Elle a une très bonne odeur d'orange. Dès le matin, ça vous donne une note chaude, fraîche, et qui tient toute la journée. Voilà, et ma peau est très bien hydratée. Sur ce, je vous dis à demain pour le jour 7, pour l'ouverture de mes calendriers. Abonnez-vous, ce serait gentil. Et puis, je vous fais de très gros bisous. À très bientôt.